Is eliminated. Means that the era of nuclear disarmament has begun. We will stay the course, and we will succeed. On en a déjà discuté. Qu'est-ce que vous voulez de plus, Livingstone? Ça suffit! Vous avez désobéi à un ordre direct, monsieur Marshall, alors qu'il était clair que votre opération était compromise. Sauf votre respect, monsieur, vous n'étiez pas là! Et le groupe qui vous a compromis, le Panthéon, vous êtes sûr que c'était lui? C'est le nom que nous a donné Alawi. Quand est-ce que vous allez nous dire ce qui se passe ici? C'est moi qui pose les questions, monsieur Woods. Monsieur, si vous aviez lu le rapport... J'ai lu votre rapport, madame Harrow. Et j'ai encore du mal à croire certaines parties. C'est pourquoi nous allons retracer le fil des événements. Sauf que cette fois, je veux entendre Marshall. Commencez par le début. On était en position près de la frontière entre l'Irak et le Koweït. Une petite équipe. Moi, Aro et Case. Kalawi est en avance. Son contact risque de pas s'éterniser. Non. Surtout si c'est un contrebandier. Mais je suis sûr qu'Alawi a payé le prix fort pour quitter le Moyen-Orient. Eh ben, dommage pour lui. Il vient avec nous. Outlaw 42, on a un visuel sur le convoi. Marque la cible, à vous. Reçu, équipe au sol. Cible confirmée. J'attends votre feu vert, à vous. Maintenant. Outlaw 42, autorisation d'attaquer. Terminé. Allons me choper. Reçu, équipe au sol. J'attaque. Attention, ralentissement. Au milieu du convoi. Et n'oublie pas, Livingstone a besoin d'Alawi vivant. Repris. Barrage direct au point d'exfiltration. Oui, oui, pas d'inquiétude. 5 minutes. Alawi est un ministre de la Défense. Et salut tout le monde, c'est XRouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Call of Duty Black Ops 6 sur PlayStation 5, édité et développé par Activision et Treyarch, sortie officielle le 25 octobre 2024, et PEGI nous le déconseille au moins de 18 ans. Je me suis permis de vous laisser l'introduction en amont pour vous montrer quand même la qualité assez colossale, surprenante et toujours évolutive de la part des Call of Duty. On est centré sur le mode solo, il n'y aura pas de mode online durant ce test. Plus les années passent, plus j'ai du mal à m'y faire avec le mode online. Pas de panique, on partira quand même sur du zombie, car beaucoup d'entre vous sont ici sûrement pour regarder du zombie, vous l'aurez en deuxième partie. Par contre, l'aim assist est toujours omniprésente sur la manette, la DualSense a un contrôle parfait en termes d'ergonomie et d'adaptation pour faire un face-to-face avec les adversaires. C'est toujours, en tout cas, tout aussi plaisant. Vous allez me dire, Avoir dépensé le prix fort pour un jeu qui maintenant avoisine les 80 € pour seulement jouer à du solo et du zombie, ouais, même avec la vaseline, je vous cache pas que ça a du mal à passer. Alors, du coup, allons ouvrir cette porte. Ah, Alawi ! Laisse-moi faire. Du calme, on te fera aucun mal. La CIA ? On avait un accord. Un accord ? Pas avec nous. T'allez où ? Foutaise, vous mentez. Votre homme allait me faire sortir. De qui tu parles ? C'est à nous ? Non, c'est pas irakien non plus. Le Panthéon. Le Panthéon ? Il faut qu'on parte. Vous avez aucune chance contre eux. Ils nous ont pas repérés, on continue comme ça. Allez. Que je comprenne bien, monsieur Marshall. Ce groupe que vous appelez le Panthéon était une force paramilitaire multinationale lourdement armée qui serait sortie de nulle part. Vous recevez l'ordre d'attendre les renforts, mais vous décidez de la jouer en solo. On devait agir vite. Notre fenêtre se fermait. Aro a-t-il, oui ou non, désobéi à vos ordres? Oui, monsieur, mais le temps était compté et les conditions... C'est ce que je pensais. Ça ne m'étonne pas de votre part. Mais de vous, si. Monsieur, notre objectif était de capturer Alawi par tous les moyens nécessaires et... Oh, ça je sais. Alors vous pouvez m'expliquer pourquoi il est allongé sur une table à la morgue? Les choses se sont... compliquées. Comme vous pouvez le voir, dans ce 21e volet, Treyarch opte pour un ping-pong visuel pour nous acclimater, amenant des phases de gameplay entrecoupées par des scènes scénarisées, mettant un point d'honneur à ce que le lore soit d'autant mieux expliqué de façon scénarisée. Les dialogues de ces diverses scènes nous amèneront à vivre les mots des protagonistes. Nous avions déjà eu affaire à cette approche avec Call of Duty Cold War. Ce qui d'ailleurs est tout à fait logique, vu que Call of Duty Black Ops 6 est la suite directe de Cold War sortie en 2020. Donc, ok, nous avons donc la roue des équipements expliquée en menu radial. Oh là là, la RCXD, incroyable. On va tester ça de suite. Oula. Alors ok, on peut la faire sauter. Ah, un effet très cinématographique au moment de l'explosion. Attendez, vous savez quoi, on va refaire, on va en profiter. Ah ouais, non, c'est vraiment badant. Sinon, en termes de progression, de toute façon, ça reste quelque chose de très classique, hein. On est habitué depuis le début des années 2000 à avoir une campagne plutôt linéaire, allant d'un point A à un point B, avec diverses vagues d'ennemis, qui seront d'ailleurs toujours supérieures numériquement, pour que l'on se sente acculé par la situation, et que notre gameplay, justement, s'adapte en fonction de la supériorité des adversaires. Ne tient qu'à vous d'y aller à la bourrin, vu que comme vous le savez depuis peu, le système de plaques, comme vous pouvez le voir, peut être mis sur votre personnage pour reprendre du shield avant que votre vie ne soit attaquée. Sinon vous pouvez avancer plus discrètement selon les phases et les missions proposées par le jeu. Vous êtes sûr qu'il sera là ? Contente-toi d'avancer. On fait des cibles faciles ici. Le Panthéon n'aurait aucun mal à nous descendre. Graphisme toujours aussi somptueux, sound design immersif au possible. Pour l'instant, ce Black Ops 6 remplit ses codes. Contact. Le Panthéon à l'avantage. Cible repérée. Malheureusement, je suis quand même déçu de l'approche du multijoueur que nous a amené Treyarch. Vendu comme un retour aux sources digne des Black Ops 1er et 2e du nom, je ne m'attendais pas, lors de la bêta, à ce qu'il y ait des sauts dans tous les sens et des slides partout. Moi, je suis un vieux de la vieille. Code 4 de 2007 me manque énormément sur cet aspect. Plus près du sol sont mes pieds, mieux je me porte. Putain, qu'est-ce qu'ils te veulent, Alawi ? Sortez-moi de là et vous irez tous les... Ouais, t'as intérêt. Ou c'est moi qui vais te tuer. Farage nous rejoindra en bas. En bas de cette falaise? Ouais, passe devant, Case. Farage, je crois qu'on est bon. Tout le monde va bien? C'est votre... Oh, Adler! Oui, bien entendu, une entrée fracassante de la part de notre cher Adler. Brillamment amené scénaristiquement d'ailleurs, on ne savait même pas dans Cold War s'il était réellement de notre côté ou pas, surtout avec ce bordel qui avait eu lieu dans les missions vers le Panama. C'était nouveau projet de Woods. Tu peux me lâcher, petit. J'en ai terminé. Riche en action. Jane, tu viens juste de tuer une cible prioritaire de sang-froid. Et je vous rappelle d'autant plus qu'il y avait une fin canon et Dream Story sur le fait où vous pouviez être un agent infiltré. L'histoire avec Perseus, etc. On ne va pas revenir sur les anciens lores. Et vous pouviez vous retourner contre vos amis et les flinguer. Dites-lui que le fou prend la tour. C'est quoi encore ces conneries? Faut y aller. Dans le véhicule. Forcément, c'était très téléphoné, hein. Quand il y a un lanceur à l'arrière d'un véhicule, ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Ok, ça va, le verrouillage se fait assez rapidement, j'ai essayé d'écouter la fréquence sonore. Au final, le robot a envoyé du phosphore émané de la chaleur pour le guidage thermique se tromper. Nous, des munitions, on en a à l'appel. Toujours aussi impressionnant à voir par contre. C'est peut-être à cause de ça aussi que je n'arrive pas à me passer des sauts dans le jeu. Bonne chance alors. Bien, mon but n'étant pas non plus de vous spoiler le solo, je vous laisse avec cette cinématique pour terminer l'acte, on va dire, et on reprendra de suite avec du zombie. L'arrestation de Russell Adler est une véritable aubaine. Oui, Madame Aro. La capture d'un agent corrompu est une très bonne chose. Russell Adler, la taupe qui nous a trahis au Panama. L'homme responsable de votre situation actuelle, Monsieur Woods. Mais pourquoi a-t-il essayé de vous dire quelque chose au Koweït? Le fou prend la tour. Une idée de ce que ça veut dire? Aucune. Très bien. D'après le rapport que Harrow a rédigé à contre-cœur et la rétention d'informations critiques concernant Russell Adler, votre équipe est suspendue. Vous êtes sérieux? C'est du foutage de gueule. Et vous, Madame Harrow, sachez que je vais vous surveiller de très près. C'est grâce à des types comme Adler et moi si on parle pas russe dans ce pays aujourd'hui. La guerre froide est terminée, Monsieur Woods. Des hommes comme vous et Russell Adler êtes les derniers assassins internationaux d'une époque révolue. Prenez le temps d'y réfléchir. Ce sera tout. Sortez. Mon bureau dans 5 minutes. Je vous conseille de lâcher l'affaire, Marshall. Wow, lui il a fri, il a tout compris. Donc nous avons le choix entre deux maps. J'ai sélectionné la première, je suis en full découverte, je ne sais absolument rien du mode zombie, réellement. Oh, le ragdoll des zombies. Pour vous resituer, je ne me suis pas retâté du zombie depuis Nuketown 2055. Voilà. Donc, en fait, j'ai brièvement fait du zombie sur Cold War. Je sais qu'il y a un principe d'extraction de toutes les divagues, d'ailleurs c'est présent dans celui-là. Pour tout le reste, je ne sais absolument pas ce qu'il faut faire. Il y a des champs de force auxquels on ne peut pas accéder. Oh, les Gobblegums! Ça c'était dans Black Ops 3 ça. C'est une boule de chewing-gum qui vous donne un atout passif, actif, tout dépend de ce que vous avez. vous pouvez croquer votre boule de chewing-gum quand bon vous semble. Oh, ce retour. Est-ce que c'est ça qu'ils voulaient faire par retour aux sources, Treyarch? Si c'est juste pour les Gobblegums, c'est... je sais pas. Les gums, c'était, ouais, un temps soit peu innovant, ça ajoutait un petit peu de fraîcheur, mais bon, rien ne vaut le bon vieux Pack-a-Punch et le distributeur de poissons... J'allais dire de poissons, de boissons, les Shrel ta mère, avec le Juggernaut, le Double Tap, le Quick Revive, et j'en passe. Vous allez me dire que c'est très contre-intuitif ce que je dis, mais plus il y a de secrets à faire dans un mode zombie, moins je suis attaché à ce mode. Quand il y a trop de choses à faire, ça me lasse très rapidement car je me sens très vite perdu et j'aime aller au bout des choses, vraiment droit au but le plus rapidement possible dans les jeux. J'aime que ce soit limpide et clair et pas sur de la découverte progressive. Pourtant c'est ce que tout le monde réclame et c'est une recette qui marche, la preuve, le zombie est une des compositions de ce 21e volet qui amène les joueurs à encore acheter Call of Duty aujourd'hui. Les générations changent, les rivaux comme Battlefield prennent de plus en plus de valeur avec le temps et sont achetés de plus en plus. Donc peut-être qu'il faudrait aussi se poser les bonnes questions, messieurs Activision. Ça, ces barres de vie, par contre, c'est assez nouveau. Je me rappelle plus si dans Cold War ça y était. Je sais que dans le dernier, ça avait été rajouté dans le mode zombie un peu open world, style Warzone. Là. Enfin, je sais même plus dans lequel il a été rajouté. Je ne joue plus qu'à Call of pour les solos depuis World War 2. World War 2 a été le dernier auquel j'ai réellement joué au mode multijoueur. Donc ça date un peu, je suis désolé de pas vous montrer ou de ne pas aller directement sur des choses qui valent la peine d'être vues parce que là je suis clairement en full découverte. Les armes sont toujours au mur comme vous pouvez le voir, donc je regarde sur les bords de map. Ah, ouais, bah celle-là elle est bloquée par un champ de force, donc on va voir quelle autre arme on peut prendre. Normalement il y a un fusil à pompe quelque part à récupérer, il y a toujours un space gun à récupérer dans les premières zones, voire peut-être la seconde, qu'ils ont d'ailleurs ouvert. Oh, c'est du bowling. Voilà, il est là le fusil à pompe. Je sais même pas si c'est une bonne arme, j'en sais rien. Le test là, je suis en train de vous le faire le 23. Parce que j'ai eu un early access. Mais enfin, dans la nuit du 23 au 24, on est le 24 en fait actuellement. Mais je ne sais absolument pas ce que ça va donner quoi. Ça aussi, je sais pas du tout ce que ça va donner, s'il faut c'est une bonne arme, s'il faut elle est nulle à chier, mais... je préfère vous faire découvrir le plus de... Qu'est-ce que c'est que cette ambiance? Pourquoi ça... Vague 5, on dirait des chiens de Tino Der Totem. On va avoir des chiens? Il y a un truc toutes les 5... Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi ces araignées? Qu'est-ce que c'est que ces horreurs? C'est quoi ce truc là? Bon, mais c'est dégueulasse! Moi qui suis en plus arachnophobe sur les bords, c'est horrible. Bon, la suite logique a l'air d'être dans cette immense porte sur cette cathédrale. On va essayer de l'ouvrir le plus rapidement possible. En attendant, ça va, j'ai trouvé le pompe qui me permet à peu près de faire de plus gros dégâts. Ok, donc là avec cette monnaie on peut s'acheter ses composants, ses upgrades. Ok, c'est comme ça qu'on améliore la qualité de l'arme. Ok, en bas à droite je suis en vert avec mes munitions. Donc en plus je dois augmenter la qualité en plus de l'augmenter drastiquement avec le Pack-a-Punch. Il y a beaucoup de choses à faire. Hein. C'est cool de pouvoir apporter une certaine somme à une porte pour que l'autre puisse l'acheter en fait. Du coup, ce qui fait que acheter la porte n'est plus quelque chose d'individuel, ça peut être partagé, ça c'est pas mal. Bon après par contre il est fluide as fuck, c'est ultra plaisant de jouer, je vous le cache pas. C'est pas par contre un Call of sur lequel je vais rester 30 ans, je vais juste faire le solo et ensuite il restera dans ma bibliothèque. Mais pour ceux qui aiment le zombie, je pense que je suis en train de toucher quelque chose qui peut clairement vous plaire. Ok, ça c'est pour le corps à corps, ok. Alors, ça mène où ça? Ah bah parfait, ça c'est le Pack-a-Punch, je connais. Ça je connais bien. 5000. Qu'est-ce que c'est ça? Ça par contre je connais pas. Ah ok, ça donne des trucs, ces espèces d'obélisques par terre donnent des consommables, enfin des ressources. Très bien. Ok, pour refaire le plein de mun, ça peut être pas mal. En plus des munitions au max, des atouts en mode instant kill ou la nuke qui peut tomber quand on flingue des zombies. On a en plus des objets. C'est quoi ces éclairs? Oh, j'y connais rien. S'il faut, vous connaissez. Hein. Bon, ça me parle absolument pas. Mais mon but, on va quand même essayer d'améliorer l'arme. Et puis, quand même, histoire que je vous montre de quoi il en retourne. Mais on va essayer d'aller jusqu'à la vague 10 et on stoppera là. Parce que vague 10, il y a l'extract. Je pense pas que les autres voudront faire de l'extraction, mais histoire que la vidéo ne fasse pas plus de 30 minutes quand même. Je n'ai pas envie non plus de vous accaparer tout votre temps. Vous avez sûrement mieux à faire. Et si vous êtes encore là au moment de la vidéo, ben, je vous en remercie. Alors, quel est mon prochain? Une téléportation? Oh, ça peut être vachement bien pour un escape. Ça peut être top ça, en vrai. Les Gobblegums, en vrai, c'est plaisant, ça fait... Enfin, c'est un petit côté nostalgie, donc c'est pas ce qui m'avait vraiment marqué dans Black Ops 3. Il crève pas avec la nuke? Ok. Ah, oh, j'ai pris que 400. Ah ouais, non, il nous en aurait fallu beaucoup plus pour pouvoir améliorer l'arme, là. Ça, je sais toujours pas à quoi ça sert. Non mais, et... Prends tes balles, toi. Ok, on va voir. Ah ouais, il y a des choses, ça me dépasse. Hein. Mais je pensais que mes grenades pouvaient revenir avec le temps, mais pas du tout en fait. Une fois que vous avez jeté votre L1 et R1, il n'y en a plus. Mon dealer avait raison. Oh, cet effet stromboscopique que l'arme vient de toper. C'est quoi ce skin? Ah voyons, est-ce que ça fait des gros dégâts? Ok, il me manque 50. Je vais pas prendre le reste. On va attendre qu'on soit à 50 pour pouvoir la passer en bleu pour qu'elle fasse encore plus mal. Mais déjà, est-ce qu'en vert? Ouais, je suis peut-être pas assez loin. Oh, il a littéralement implosé. Ok, 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 bon ok, ça va. Ça me plaît, c'est bon. J'ai la dose de dégâts, j'aime bien tirer qu'une seule chevrotine avec le pompe. Ça me permet de mieux élaguer. Mort instantané. Faut pas que je crève non plus. C'est bon, vous me laissez tranquille. J'ai vu l'update. Allez. Donc du coup vous le voyez, c'est en bleu en bas à droite désormais. On augmente donc la qualité. Oh, c'est sympa de pouvoir se TP d'un endroit à l'autre. Je claque tout, hein, vu qu'on va stopper, on est vague 10, là je vais m'arrêter là. Mais c'est un petit peu pour montrer tout ce qu'il y a à montrer, du moins le semblant, le peu que je peux amener pour vous permettre de prendre une décision sur votre futur potentiel achat. Oh, le Juggernaut, ça y est, ça je connais ça. 2005 il me faudra. Non, parce que comme je disais, le jeu vidéo ça reste un putain d'investissement aujourd'hui. Et si je peux vous faire économiser quelques euros ou vous assurer le fait que vous allez les rentabiliser en le prenant, ce sera mission accomplie pour ma part. Oh là là, il défouraille le pompe. Non, je suis bien content. Ça me plaît ce genre d'arme. Surtout pour juste l'utilité que je vais en faire pour cette game. Oh, le Chara-Design, c'est une canette, c'est plus une bouteille maintenant. Mieux que de soulever de la fonte à la salle. Je sais pas si avant c'était déjà des canettes, mais moi je me rappelle que c'était le cola que tu déclipsais, t'entendais le pchit. Je place un repère. Mais c'était pas une canette. Hein. Ça avait bien plus de la gueule quand c'était des bouteilles en verre. C'est dommage ça. Si même la dégaine des atouts commence à s'adapter avec les nouveaux volumes de Call of qui sortent chaque année. Bon, ce qui fait qu'une fois que... voilà, ça vient de terminer, vague 11. Ok, ça je connais pas non plus. Le logo, ok, de l'extraction est là-bas. Donc je vais juste aller voir la zone à quoi ça ressemble. Et on va donc se stopper là. En espérant du moins que mon test gameplay vous aura bien plu. Et d'ici là, on se retrouvera du coup très prochainement pour un prochain test gameplay découverte. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt tout le monde, portez-vous bien et à ciao!